Bon, là ça c'est votre rucher et il y a un peu plus de frelons, surtout sur ces ruches là, ces deux ruches, trois ruches là. Bon, je vais mettre les portières, ça va un peu les énerver. Mais... Donc, changement de portière. Je vais garder ça à côté de moi parce que là je viens d'en faire quatre. Déjà les gros frelons là, ils peuvent plus rentrer. Hein. Donc on va passer de 16 trous, 16 arcades comme ça. Ah, encore un autre. On va passer à 16 arcades, à ça. L'hiver. Les butineuses sont au champ, donc il est 1 heure. C'est une bonne heure hein, pour aller. Si vous voulez pas avoir des abeilles agressives, il faut aller entre 13 et 15 heures à votre rucher. C'est important parce que presque la moitié de la ruche sont dans les champs, sont loin. Et les agressives, bah, c'est les butineuses. Donc ça, c'est une chose à savoir. Hein. Alors, elles sont sous traitement. Donc, on va regarder un peu depuis... là, je vais faire un contrôle des plateaux, qu'on appelle les langes. Voilà. Tiens-toi. Ah, il y en a vraiment beaucoup ici, hein, aujourd'hui. Ils sont à l'ombre, ils sont à l'ombre. Ils sont très gros en ce moment. Tout à l'heure, j'en ai coupé en deux. Et dans l'abdomen, il était plein de plein d'œufs. C'est-à-dire entièrement rempli de blanc. Donc, je pense que les premières mères sont en train de sortir. J'en entends un autre. Bon, je vais arrêter l'appareil et puis je vais m'en occuper. Et les autruches qui sont au soleil, il n'y en a pas. Enfin, on va voir ça tout à l'heure. Hop.